Hello guys, so là on est à 6 jours du mariage, on est le lundi. J'avais commandé une robe d'urgence parce que mon autre n'était pas fini, so je devais avoir un plan B. Ma robe vient d'arriver, elle est tellement lourde, elle fait 11 kilos. So elle est là, c'est dans une grosse box, je sais pas trop quoi là, ça vient du Kosovo. So je vais l'essayer, puis ça je vais vous donner des nouvelles. Juste là, jusqu'à maintenant, tout va bien. J'étais en train de stresser parce que j'avais pas de nouvelles de ma coiffeuse, alors qu'elle m'envoie un message aujourd'hui. Mes maquilleuses, on a tout confirmé, so far so good, ma décoratrice et tout ça. Donc jusqu'à maintenant ça va, so je voulais juste vous keep updated, so yeah, that is that. So, ma soeur slash maid of honor est en train d'ouvrir la robe. Ouais, elle vient de Tabja au Kosovo. Et elle est wrap, on dirait un manteau aussi. C'est ça, en fait. C'est vraiment bien. Ah, à ce prix-là, ils sont obligés. Non. Lord. Faut être un peu careful, vous voyez, parce que comme, on ne veut pas faire des trous. Ça atteint la robe. On va dire. Ok, la robe est là. C'est ça. Elle est wrap encore, mais ouais, c'est là, la housse. C'est la lisse, de toute façon. Ouais. On dirait un reportage. Mm-hmm. Ah ouais, la robe vient de chez Tabja. Ouais, c'est très de chez, hein. Ouais, c'est un jeu. All right. Nice. Ça a l'air lourd. Wow. Aya, tu peux même pas trop les montrer. C'est pas grave, c'est ça après le mariage. Je sais, mes soeurs, il faut qu'ils voient la fin à la fin du vlog. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Pas du tout. Ah bon. Mais c'est ça, sauf que tu peux couper le vlog. C'est le vlog? Le voile? Ah oui, c'est le voile. Ça, ils m'ont mis du extra fabric ici. Ok, c'est bon. Ok, c'est tout. Ok. Et. Ils ont pas de douille. Pourquoi ils rient? C'est à toi. Ah, je vais même l'argent. Oui, s'il vous plaît. Hello guys, là je suis au Galerie Lafayette, je suis venue chercher mon parfum de mariage. Je l'avais choisi il y a un an avec ma nièce sur les champs. C'est un parfum de Guerlain qui s'appelle Angélique Noire.
c'est mon signature scent à partir d'aujourd'hui. Je suis vraiment excitée, je vais le personnaliser. Et j'ai mis chaussures de mariage, j'ai des René, c'est un cadeau, franchement. Je suis trop contente. Là, après ça, je pense que je vais manger. J'ai pas encore mangé aujourd'hui. Genre, je mange toujours une fois par jour, je sais pas pourquoi. Trop bizarre, j'ai pas faim, je sais pas, je suis trop bizarre. Mais bon, bref, je suis vraiment, vraiment contente. Genre, le mariage est dans 2 jours. Presque tout est réglé, j'ai l'impression que mon cœur commence à baisser, je suis vraiment happy about that. So yeah guys, so that is that. Les derniers jours, j'ai pas trop vlog parce que j'étais un peu sous stress, parce que j'ai réglé les problèmes de chambre, de tête, tout ça, tout ça. Mais on y est presque. Même le jour du CV, j'ai même pas eu le temps de bien faire ce que je voulais, mais j'ai quand même vu quelques clips, so I'm really happy about that. Puis voilà, je vous aime, bisous. Désolée, je sentais quelque chose était rentré. Ah, j'avoue. Tu vois là, regarde comment elle met ses bras. J'entends juste des. T'as vu? Mamie, c'est quoi? Mamie, sois sereine, mamie. Mamie, stresse. Oh. Cela, je suis avec ma petite soeur. Désolée, ça c'est ma wig juste avant mariage. Elle n'est pas très bien mise. Désolée. Et je dois faire une masking. Donc voilà, mamie. Et. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vais vous montrer la vue. Excusez-moi. La vue de. On voit la tour Eiffel. Ouais, on voit la tour Eiffel. On a fait ça. Marina, il m'a envoyé sur les champs. On doit faire un truc. On va manger. On aura une date entre soeur et mon autre soeur ici qui sort. Avec. J'irai si tu regardes ça. En plus, dans ma. Bye Anaïs. En plus, dans ma liste des choses à faire. Et ça à Paris, pour voir si ça marche. Et ça à Paris, c'est d'aller sur les Champs-Élysées. Ah ouais, ta liste est complète. Ta liste est complète. Non, il reste 3 ou 4 choses. Quoi? Voir la Tour Eiffel, aller sur les Champs. Et je voudrais rencontrer une star aussi. Mais tu m'as rencontré moi? Une star, enfin une future star. Au moins t'as dit futur, c'est déjà mieux. So, ok, désolé, ma perruque m'énerve, mais je la garde juste pour quelques temps, puis après c'est tout. Donc, je suis vraiment contente de continuer ce vlog, actually. On va y arriver. Ça sent bon ici. Peut-être de m'envoyer au Sky Bar, whatever. Avec Miffy Donner et tout ça. J'ai hâte, guys. À tout à l'heure. Guys, non, les prix en Europe sont normales. I'm sorry, what? Pour fucking 110 grammes, fucking 15 euros. I know you fucking lying. Ça? Non, guys, non. C'est actually un disrespect. Je suis pas d'accord. Mariana non plus, elle est pas d'accord. Non, guys, fallait que je fasse une petite aperçu sur ça. Et pourquoi le prix est inconnu ici sur la vaseline, s'il vous plaît? Je comprends pas. En plus, ils ont mis deux prix. Non.
C'est pas bon tout ça, guys. C'est vraiment pas bon. So là, on est au Vapiano. Mariana et moi, on va manger. On voulait manger à l'Alsace, mais Mariana, elle a des poches. Puis elle a dit qu'elle va manger de viande, de steak. Et moi, je vis pour les steaks. So. Ça va changer, on est à Vapiano. Mariana, t'as hâte. Ok, guys, il est 22h, 21h40, il y a encore le soleil. Ça, c'est vraiment français parce que chez nous, là, il fait noir. Au Canada. Chez nous, c'est déjà le coucher soleil. Ça, nous, ça, c'est vers 21h30. Ouais, bien. À ton mariage, c'est bon, 22h40, c'est encore jour. Yeah. So, c'est ça. Là, on fait la ligne pour aller à Vapiano. So. Can't wait. J'ai hâte d'avoir des beaux cheveux demain. Comme ça, je peux mieux prendre des. Je peux mieux prendre des vidéos parce que là, j'ai l'air trop bizarre. Mais bon, Mariana, si je peux s'en rendre. Moi, je suis choquée de dire ça. C'est Kikaya qui a fait, of course. Trop cute. À ça là. Moi j'ai pas encore, mais Mariana déjà. C'est quoi que t'as pris? J'ai pris une pizza pâte et pêche avec extra poulet, un sprite et une mousse au chocolat. Bon appétit ma belle. Merci. Moi j'ai pris des penne, mais comme vous voyez, il n'y a rien ici encore, donc on attend. C'est bien, mais c'est long. Ouais, c'est trop long. Guys, c'est les feux d'artifice. Regardez comment c'est beau. Regardez les feux d'artifice. Hyper, hyper beau là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens. Voilà. Là, ici, il n'y a pas beaucoup, mais tout à l'heure, il y avait beaucoup, beaucoup. Hein. Genre là, je pense que ça va durer jusqu'à minuit, hein, je crois. Ouais. T'as quoi à dire à la caméra, hier hein? Moi? Hello, Paris. Je suis fatiguée. Ouais, t'es fatiguée, hein. Yeah. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, mais elle a encore plein de choses à faire. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Tu veux vraiment te reposer après le mariage. Donc, te dire que t'as un autre mariage. Ouais. Tu veux dire que même le jour de ton mariage, t'as plein de trucs qui sont très bien. Elle a dit maquillage. Oh, les best secrétaires, merci. Ah. Yeah. Là, on va faire des belles tic-tac. Ah ouais. Ouais. Non, mais franchement. C'est le jour J, on va à l'hôtel, ma soeur va dire oui à l'homme de sa vie. Dans sa robe, qui est immense d'ailleurs. On est dans la voiture, une voiture blanche, très belle. C'est une quoi? Une G-Wagon. Allez commander pour votre wedding. À tout à l'heure. L'assemblée ici présente. Je prends l'assemblée ici présente. Et Christ pour témoin. Et Christ. Et déclare que moi. Et déclare que moi. Papa Kevin Dumukulu. Papa Kevin Dumukulu. Accepte de prendre maman au sein de son fils Saloulou. Accepte de prendre maman au sein de son fils Saloulou. Comme épouse dans les liens sacrés du mariage. Comme épouse dans les liens sacrés du mariage. Agapé de ce jour. Agapé de ce jour. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Pour le meilleur et pour le pire.
Je t'aimerai toujours comme moi-même. Je t'assurerai toute ma protection. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Je prends l'assemblée ici présente. Je prends l'assemblée ici présente. Et Christ pour témoin. Et Christ pour témoin. Et déclare que moi, maman OCM qui se recueille le salut. Et déclare que moi, maman qui se recueille le salut, accepte de prendre. Accepte de prendre. Papa Kevin Domokoulou. Papa Kevin Domokoulou. Comme époux dans le lien sacré du mariage. Comme époux dans le lien sacré du mariage. À dater de ce jour. À dater de ce jour. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Je t'aimerai toujours comme moi-même. Je t'aimerai toujours comme moi-même. Je t'assurerai toute ma protection. Je t'assurerai toute ma protection. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte volonté de Dieu. Selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Exactement une semaine que je me suis mariée. Comment vous dire que tellement d'émotions en même temps. Je suis contente, je suis triste. Mes parents vont me manquer, mes soeurs. Le pays est différent, c'est plus la même chose. Je me sens heureuse parce que je passe tellement de temps avec mon fiancé, mon mari. Mais je suis épanouie. J'ai pas encore trouvé de travail, sauf que ça m'énerve, mais bon, c'est ça, on fait le déménagement, on est de gauche à droite, mais tout le monde est happy, tout le monde est content. Enfin, c'est fini, 2 ans de travail, des galères le jour du mariage, quand même, malgré tout, ça me dépasse. Franchement, à chaque fois qu'on croit que c'est presque fini, ça remballe encore, on est encore là, on est encore là, on est encore là. So, j'ai filmé un petit peu, je voulais me faire faire les cheveux par Stella, mais enfin, je voulais me faire faire filmer pendant que je faisais les cheveux par Stella, mais j'ai demandé à ma soeur de mettre la caméra, elle l'a pas mis, so. Mais ça c'est son install depuis une semaine, so the goat, et franchement merci à vous Stella, tu sais comment je t'aime, c'est quand on s'aime, j'ai même pas besoin de trop parler. Philippe, pareil, je vous adore, vous êtes ma best team ever. Tellement douce pendant la prestation, tellement on a rigolé, Stella et Philippe, c'était juste des caméramans, des gens tout terrain, ces deux-là. Franchement, je vous en suis tellement reconnaissante parce que c'était tellement un stressful day pour moi. Mais j'ai pu profiter quand même du moment avec vous, so thank you so much. Merci à ma famille, ma belle famille qui m'ont aidé pendant tout le processus.
je vous aime. Puis là maintenant on a un nouveau journey, là c'est du nouveau content, là maintenant c'est des Hot Wife Diaries Chronicles, j'ai appelé ça. So juste mon everyday life as a wife, j'ai appelé ça Hot Wife Chronicles because I'm a hot wife, period. So là je suis juste dans mon lit parce que je vais préparer. Mon appartement est pas encore fini, so je suis chez la famille de mon mari, enfin chez ses parents. Je suis là, je suis contente, je vais préparer, j'ai faim. Et ouais, j'ai un nouveau set de bagues. Ça aussi, je suis trop contente. Ça change, c'est bizarre. Mais maintenant, j'en ai deux. So, it's official, official. Sinon, j'ai kissé au wedding. Il y a eu beaucoup de pubs parce que tous les headpieces que j'ai portés, c'était Kiss the Wedding, mes filles d'honneur aussi. So, je suis vraiment contente about that parce que les gens sont vraiment, vraiment là à me demander « Oh, ça vient d'où ?» et tout, c'est vraiment beau, quand est-ce que ça sort ? Ça, je trouve ça vraiment nice. So, j'ai hâte de vous présenter tout le truc et tout, je suis vraiment excited. C'est un nouveau journey à Paris, mais si Dieu m'a laissé venir ici, ça veut dire que something great is here for me. Les vidéos de mariage vont probablement sortir by the time que je sors cette vidéo là, mais j'ai mis quelques clips quand même de ma robe. Ma robe a été faite par Tabjba. Elle a fait dans un the shortest notice ever, genre elle a fait en comme 8 jours. So thanks to them too parce que ils étaient vraiment genre quick, ils étaient vraiment helpful. Ils ont même recommencé mon voile parce que c'est pas ça que je voulais. Enfin, ils ont fait un truc, c'était pas ça que j'aimais. Ils ont refait un autre, comme vraiment, vraiment quick. Éternel merci. Ma robe du soir, c'est fait par Trish Ware. C'est elle qui a fait aussi ma robe de la dot, la rouge en kente. Franchement, les meilleures personnes du monde. Je vous aime toutes. Merci beaucoup. Même si il y a eu tellement de choses, tellement de pleurs dans mon mariage parce que il y a eu des décès, malheureusement. Il y a eu beaucoup de tristesse, mais beaucoup de joie. Je suis vraiment triste de laisser mon meilleur ami à vie, mon père. Et je suis triste aussi de laisser ma copine, ma maman et mes soeurs, bien sûr. Je me sens juste un peu seule, mais je suis pas seule. Je suis avec la personne avec qui je partage le reste de ma vie. Et je vais faire ma propre famille, of course. So, en espérant qu'on va partager ce journey ensemble et tout. Donc, je sais pas, je parle trop là. Je vois que ça fait 4 minutes que je parle, mais je vais juste vous dire que j'étais vraiment contente. Peut-être que ça va close le vlog du mariage. Et vous montrer le premier step de ma vie de parisienne ou whatever, française ou je sais pas. So, merci beaucoup. Et j'ai encore mes boucles d'oreilles de mariage, ma mère a mis qui me les a achetées, actually. So, Liv, si tu regardes ça, ça fait 7 jours que je les ai sur mes oreilles parce que je les aime. Et voilà, guys. Cela, que j'aime mon appartement. Plus de vlogs, plus de lifestyle, plus de cooking, videos, plus j'en ai jamais fait ici, mais comme j'ai déjà fini, mais juste pas posté, mais je veux changer. Mon mari m'a dit d'arrêter des bêtises, donc this is what I'm gonna do. So, je vous aime, guys. Merci d'avoir été dans mon journey de YouTube depuis le début jusqu'à maintenant. Là, maintenant, j'ai l'impression que je vais prendre mon envol. Je sais qu'est-ce que j'aime, je sais qu'est-ce que j'aime pas, je suis plus focussée sur le content que moi je postais rather than chercher du content que les autres personnes veulent regarder. Puis des gens qui voudront regarder sur ma chaîne, c'est parce qu'ils veulent regarder moi as a person et que mon content les intéresse. Je suis dans un camion pour le déménagement. Yes, I... yeah, so on est en train d'aller chercher le sofa et quoi d'autre. Le miroir déjà dans le coffre avec le masque. Bon bref, c'est ça qu'on va apporter. Et enfin, on veut apporter tout ce qui est de gros, tout ce qu'il y a de gros parce que cette semaine on veut absolument habiter là-bas. So, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Après, on va aller chez nous. Ils vont finir la douche, ils vont finir les toilettes, les carreaux, changer de place la laveuse. Enfin, comment t'appelles ça ici? Lave-linge. D'ailleurs, il faut des plaques. Quelles plaques? Dans la cuisine. Comment? Pour remplacer la lave-linge. Oui, ça vient d'où encore? Brico déco. Ouais, mais ce que je devais rendre, c'était quoi? C'était pas une porte?
Non, c'était... Normal. J'avais déjà regardé. Ouais. Ok, Kevin. Prépare-toi.